Salut à tous, c'est Samix 431, se trouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite et aujourd'hui je vais vous parler dans quelques jours il va se passer quelque chose sur Fortnite. Donc vous avez vu normalement la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure sur le sac à dos du défi soldat au crâne, je l'ai débloqué enfin. Enfin voilà, c'est normal, c'est logique. Alors deux petites secondes, faut que je les mette tous. Voilà. Donc regardez. L'île flottante qui est à l'Azilim. Normalement ce soir à 22h30 ou à minuit, elle bouge en direction de Justy. Donc Justy qui est là-bas. Donc normalement samedi ou dimanche, il va se passer quelque chose sur Fortnite. Donc soyez présents aux actus parce qu'il va avoir comment dire, il va avoir peut-être un truc de ouf. Il va peut-être se passer un truc de ouf. Donc soyez présents aux actus et surtout surveillez bien quand vous êtes en game qu'elle bouge enfin temps et temps. Parce que moi je ferai une vidéo demain si elle a bougé. Je ferai une vidéo je ferai une vidéo demain, donc demain c'est vendredi. Jeudi. Je ferai une vidéo vendredi. Et puis une vidéo samedi et dimanche. Au moins pour voir la progression. Donc bien sûr c'est des vidéos de 10 à. Entre 10 à 10 secondes. Enfin. Dans les dizaines de secondes. Ou enfin 10 secondes ou 10 minutes de vidéo, ça dépend. Mais je préfère faire 10 minutes de vidéo, c'est mieux. Ça, je peux pas le dire. Oh, un pistolet. Non? Donc en gros, voilà ce qui va se passer. Il va se passer un truc de ouf sur Fortnite. Normalement, ce soir ou demain, tout dépend. Ah non, moi je voulais pas aller prendre ça, ça, ça. Ouais, quoique non. Non, je vais garder mon. Donc voilà les gens, demain soyez présents aux actus, il va se passer quelque chose de ouf sur Fortnite. Il va avoir donc pas mal de choses parce que en fait, donc normalement ils vont sortir une nouvelle arme. Normalement ils vont sortir une nouvelle arme, mais pour l'instant on ne sait pas quel nom et quel quelle figure elle a comme arme. Nous ne savons rien du tout sur cette arme, mais normalement il y a une arme qui va sortir. Et aussi du coup la nouvelle, du coup bah là il y a des nouvelles des nouveaux modes sont sortis, tout ça, enfin un nouveau mode est sorti. Enfin c'est pas un mode, c'est plutôt des compétitions en fait. Si vous voulez, vous faites des compétitions et puis en fait quand vous gagnez à la fin des compétitions, normalement vous avez vous avez en fait des planeurs. Donc celui qui a, enfin qui est pas trop, enfin qui est un peu nul, il a un planeur de bronze. Celui qui est vraiment un peu plus fort, il a en argent. Ensuite l'autre il a en or. Après il est, je crois, en diamant. Et c'est tout, je crois. Ouais, c'est tout, ce sera tout.
Donc franchement, je le redis encore une fois, avant demain, donc soyez présents aux actus. Donc demain normalement, enfin je fais que la vidéo, mais je ferai pas les défis de la semaine 4, mais je les ferai vendredi soir, si vous voulez, en live ou peut-être pas, enfin ça dépend. Ou alors quand j'aurai fini, je ferai un live. Mais sinon, voilà. Demain je fais une vidéo pour voir si elle a bougé ou pas. Et puis si elle a bougé, enfin si la l'île flottante et le carré ont bougé, et ben je fais la vidéo. Et puis si elle a pas bougé, ben j'attends une autre vidéo. Et puis voilà. Mais sinon, surtout le mieux c'est que je fasse une petite vidéo de 30 ou 40 secondes. Donc regardez là, elle va bouger dans pas longtemps. Et regardez, je vous montre un peu ce qui va se passer. Donc regardez, il y a des carrés qui ont bougé dans toute la maison. Bientôt on n'y passe plus, hein, regardez. On n'y passe vraiment plus. Dans les escaliers, ça commence à pousser. Là, on peut plus y accéder presque. C'est vraiment ouf. Aïe. C'est vraiment ouf, ouf. J'arrive. Bon les gens, je vous dis une chose, soyez présents aux actus demain, enfin de demain jusqu'à samedi ou dimanche. Et puis surtout, ne manquez pas ce qui va se passer normalement samedi ou dimanche. Parce qu'il va se passer un truc de ouf. Oh genre, je l'ai pas eu. C'est de l'arnaque, il avait plus de vie. J'aurais dû prendre des pistolets mitrailleurs. Tiens, je vais changer de place. Parce qu'il est pas bien placé. Mais voilà les gens, surtout, ne manquez pas les actus. Parce que dans pas longtemps, il y a un truc qui va se passer. Normalement, il y a un truc qui se passe à chaque fin de saison. Et vu qu'à la fin de la saison 5, il s'est rien passé. Donc là, peut-être, il y a quelque chose qui va se passer. Donc soyez vraiment présents. Ah, c'est impossible. Bon les gens, on fait un petit kill et puis je vous laisse sur ça. Non mais j'insiste vraiment hein, parce que moi je serai là peut-être je ferai une vidéo jeudi, une vidéo vendredi, une vidéo samedi, une vidéo dimanche, une vidéo jusqu'à qu'il se passe quelque chose. Et puis si vraiment il se passe rien, ben on attendra un peu. Hein.
Mais surtout soyez présents aux actus. Et moi je serai présent, mais surtout pour vous. Si vous voulez prendre une vidéo ou quoi, ou je sais pas, n'importe quoi. Soyez présents aux actus, c'est toujours bien. Attendez derrière. Je l'ai entendu ce bâtard. Hein. Bon là, bon, sérieux les gens, là je suis un peu endormi. Mais sinon, voilà, j'insiste vraiment pour que vous assistez aux actus et pour que vous voyez s'il se passe quelque chose dans les 2-3 jours, enfin dans les 4 jours qui arrivent, parce qu'il va se passer un truc de ouf. Faire exploser quelque chose, soit, enfin il va avoir un truc de ouf, ça on le sait, c'est sûr. Mais honnêtement, soyez prêts. J'arrive. Genre il a pris 85. Je voulais lui mettre une tête. Pourquoi j'ai visé aussi? Mais après sinon je vais faire aussi pas mal de vidéos parce que je vais débloquer le loup-garou à plusieurs étapes différentes. Voilà. Il y aura ça aussi. Après. Attendez, juste après là. Il y avait deux personnes sur moi. Il y avait lui et un mec derrière moi. Ah putain, 13 kills. Il a GG lui. Hein. Il avait cool. Mais sinon, voilà. Après, franchement, je trouve que il va se passer un truc de ouf. Peut-être il y a une soucoupe volante qui va revenir dans le ciel. J'arrive plus à tirer, en plus c'est hyper long. Faut que je change de point. Putain, mais il m'a encore piqué le kill quoi, ça abusé.
Bon bah à vrai dire les gens, je ne fais guère zéro. Ah mais je reconnais même plus mes amis ou mes ennemis, c'est un truc de ouf. Allez. Putain. Fallait le faire le petit qui est là. Un peu quand même. Ce soir je joue hyper mal, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a là ? Alors là... Ah, il parle là. C'était obligé, mon gars. Non, mais là, il faut qu'on aille prendre des trucs, là, parce que là, ça va pas. Je vais aller choper là-bas, là. La danse, là. Oh, il me fait reculer. Ok. T'as fini. Attends, je vais faire la fin. Donc je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a en changement et puis ce qu'il y a un peu dans la boutique. C'est parti. Donc déjà je remercie parce qu'on est arrivé à 49 abonnés, ce qui est déjà pas mal. Donc regardez, c'est écrit événement. Donc c'est des tournois. Des tournois, il y a tournoi alpha, là il y a Free Day, Fortnite, tournoi bêta, Salty Spring Cup, donc ça veut dire que là il y aura que des spawns salty, il y aura que des spawns salty, les gens ils vont spawn que à salty s'ils meurent, enfin voilà. Tomato Temple Cup,
Donc voilà, ce sera pareil pour tout. Et voilà. Et pour les défis, bien sûr, là, demain, on va faire du coup la semaine 4. Et du coup, il nous manquera encore 3 semaines, donc 5, 6, 7, pour avoir du coup le défi, la track. Donc le défi, la track, je ferai une vidéo pour voir à peu près la théorie qu'on va avoir sur la vidéo. Mais voilà, ça sera une vidéo à part. Et ensuite, la calamité, donc demain, je vais faire les défis et je vais avoir du coup... la couleur violette, et ensuite je vais avoir dans pas longtemps le lycan, enfin le loup-garou blanc à 180 000 XP. Et ça sera une grosse vidéo parce que je vais débloquer le loup-garou à 180 000 XP plus le sac à dos qui est un sabre lumpy. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Sanit413, je vous dis de liker, de vous abonner et de commenter et de partager. Et je vous dis ciao ciao, à bientôt.